ADN. Voilà, c'est ça. Dans les gens génétiques, on a des parents qui sont ils vont avoir toute la peine de s'autogérer. Parce qu'ils se contestent l'autorité. Parce qu'en fait, tous sont. Chacun, il dit à l'autre que tu n'es pas plus que moi. Voilà. Tu n'es pas plus que moi. C'est comme ça, naturellement. Mais tu laisses 10 enfants avec le frère Blaise. Ou bien quelqu'un de plus. Eux-mêmes vont choisir le frère Blaise pour chef. Comme chef, c'est vrai. Oui. C'est naturel. Voilà. Donc, dans un univers comme celui-là, où il y a les plantes, les humains, les animaux et le reste, Satan qui est considéré comme une force ascendante, c'est l'ensemble que choisit Satan librement comme chef. Parce qu'il est plus outillé que tout le monde. Et tout le monde le choisit comme chef. Et c'est pas toujours bien. C'est-à-dire, faisons cet exemple-là, ici au Cameroun. Puis on dit, nous voulons un chef d'État. C'est le pays lui-même, le peuple lui-même qui choisit l'individu qui croit être plus intelligent qu'eux. Ouais. Tu viens prendre quelqu'un parmi le peuple, tu lui dis, je vais que tu sois. Il te dit, non, c'est pas pour moi. Ça. Oui. Il va te dire que cette affaire-là, c'est pour lui. Il te montre quelqu'un, donc, lui, il estime qu'il est plus intelligent que lui. Et c'est vrai. Oui. Donc, quand tu places Satan avec le Messie, il ne peut pas prétendre diriger le Messie. Il sait clairement qu'il a affaire à un plus cher que lui, un plus grand que lui. Au roi des esprits. Oui. Donc, Satan ne peut pas contester l'autorité du Créateur. Il amène les ignorants à contester. C'est pour ça que, quand on est intelligent, on ne conteste pas l'autorité. Parce que tu reconnais dans l'autorité une supériorité par rapport à toi. Mais quand on est ignorant, c'est là où on conteste l'autorité. Mais de manière naturelle, intelligente, on ne conteste pas l'autorité. Enfin, vous comprenez ce que je dis ? Oui, de manière naturelle. Parce que l'ignorant croit toujours que lui aussi a les mêmes ressources que l'autorité. C'est pour ça que l'ignorant conteste l'autorité. Oui. Vous voyez, le peuple des Hébreux, des Hébreux dans le désert, comme ils étaient ignorants, hors de la sphère du Créateur, ne voyant pas que le Créateur avait rendu, le Créateur dit à Moïse, je vais faire de toi Dieu, et par toi je vais libérer Israël. Comme ce peuple a été ignorant, en dehors de l'intelligence, il contestait l'autorité de Moïse. Il dit, mais il n'y a pas qu'à toi que Dieu parle, et il nous parle aussi. Donc tu n'as rien d'exceptionnel par rapport à nous. Donc ça montre en fait... Nous sommes des mêmes. Oui, ça montre clairement comment, quand on est ignorant... On conteste. Oui. On conteste l'autorité. La même chose, c'est là où Jacques dit que ces êtres sans esprit, ils contestent l'autorité de Satan. Pourtant, en dehors de l'intelligence qui est le Créateur, Satan est leur chef. Ils devraient naturellement se soumettre. Parce qu'il est leur chef. Mais par ignorance, ils contestent. Ils contestent l'autorité, son autorité. Ça, je suis sûr, quand on disait c'est une simple. Oui. Bien sûr. C'est pas... Donc c'est ça. Ça. Vous voyez, plus vous rentrez dans la sphère du Père, vous ne pouvez pas contester l'autorité. C'est-à-dire, même si elle vous apparaît au travers d'une bouteille, vous ne vous soumettez pas à la bouteille, mais à l'autorité, parce que vous la discernez. Vous soumettez. Naturellement. Hein.
y a des choses que vous avez expliquées dans les enseignements que nous prenons dans les prix USB. Oui. Mais que quand vous expliquez en direct, je comprends encore plus mieux. C'est ça. C'est comme ça. Je comprends plus mieux. C'est comme ça. Même la maman, ma baïse, elle a dit que c'est mieux de se rendre. Comme ça. Là, vous ah oui, ça. Oui. Parce qu'elle écoute beaucoup votre enseignement, mais comme elle est venue dernière, encore, dit que ça a plus de. Exactement. Exactement. Donc c'est pour ça que les cultures nous disent que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mm. Tu vois bien, ça veut dire que si on est dépositaire de ses qualités, de son regard, mais on le reconnaît. On se soumet à lui. Mais ce qui montre qu'on est hors de lui, c'est qu'on conteste la hiérarchie que lui-même a établie. Mais c'est même au niveau de la création. Donc l'univers a été hiérarchisé. Il y a des différentes espèces, on voit même dans la Genèse, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de chasse, c'est-à-dire plus rusé, plus intelligent. L'intelligence malsaine. Tu vois bien, donc il a cette avance sur tous ces composants de l'univers qui fonctionnent en dehors des facultés que le Créateur confère. Donc c'est naturel qu'ils doivent se soumettre à lui. C'est pour ça que ce qu'il faisait au Créateur, que lorsque Israël sortait de la dépendance vis-à-vis de lui, il le soumettait. C'est pour respecter lui-même, pour la hiérarchie qu'il a établie, il le soumettait à l'autorité dont il devait être dépendant. Parce que c'était naturel. Si vous régnez, vous contestez, vous sortez de l'autorité suprême du Créateur, vous allez être réussi par le Satan va être votre autorité, votre chef suprême. Donc il est soumetté naturellement à cela. Tu comprends là où il dit que si tu renverses le muraille, tu seras mordu par le serpent. C'est comme ça. Le muraille, c'est lui. Oui. Quand tu l'as renversé, voilà. Satan va te. Exact. Mais toi-même, tu t'es libre. C'est-à-dire que tu viens, tu une façon de. C'est une manière de dire à Satan, je te reconnais comme chef. C'est ça. Mais lorsque tu fixes tes limites. Oui, c'est comme ça. Lorsque. Le Créateur conduit Israël à Canaan, il le conduit, il leur dit que quand vous serez rentrés dans ce pays, ne dites pas en vous que nous voulons nous organiser comme ces peuples. Parce que ces peuples-là ont pour chef Satan. Vous, vous ne dépendez pas de la même autorité. Je suis votre chef. Et lorsque le peuple y est arrivé, il a contesté, il s'est rebellé contre le Créateur. Il dit, nous voulons un chef comme les nations. Samuel dit au le Créateur dit à Samuel que ce n'est pas toi que le peuple rejette, c'est moi. Mais je vais leur donner une autorité qui se ressemble. Donc il leur donne, il met à leur tête Satan. Il met à la tête ce Satan. Donc, lorsque nous laissons isolés de l'autorité suprême, faculté du Créateur, Satan est la force principale de l'univers, il faut naturellement rentrer sous son pouvoir. C'est lui que tu commences à appeler, dont la rébellion en elle-même appelle Satan comme chef. Oui, c'est ça. Donc là où il y a l'intelligence, je vous dis, il n'y a pas de rébellion. Il y a de naturel. C'est-à-dire que je ne me soumets pas parce que l'autre est plus âgé que moi, ou alors je refuse de me soumettre parce que l'autre est moins âgé que moi. Je me soumets à la force qui se dégage de l'autre. Je me soumets naturellement. Bon, mais nous en sommes dans un univers où, comme je dis bien, Satan lui-même reconnaît la hiérarchie. Il se soumet. Il ne peut pas contester l'autre. Quand les démons étaient face au Messie, est-ce qu'ils contestaient? Non. Mais ils se soumettaient. Maintenant, le problème, c'est qu'il a infiltré, injecté dans les hommes les germes de la rébellion. C'est-à-dire les gens qui contestent l'autorité. Non seulement ils font semblant de contester l'autorité de Satan, ils contrôlent. Donc, dans l'amalgame total, ils contestent l'autorité du Créateur. Donc, on est des gens qui ont été éduqués pour contester l'autorité. Mais c'est même au niveau parental, tu trouves très peu de gens. J'ai dit la notion d'autorité. Parce que quand tu as la perception que tu as la notion d'autorité, j'ai dit simplement, tu l'appliques même au niveau naturel. J'ai dit la notion d'autorité. Tu vois, c'est ça. Parce que quelqu'un me disait l'autre fois que la guerre, Armageddon, est-ce que c'est une guerre spirituelle ou matérielle? Je lui dis, tout ce qui est spirituel devient matériel. Oui. C'est pas vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui est matériel, spirituel devient matériel. Ça veut dire que si j'ai la vraie lecture de la notion de l'autorité, je dis, je l'applique dans mes rapports par motif de conscience envers mon Père. Oui, non pas envers, c'est-à-dire envers le Créateur, je veux dire. Oui.
C'est ça. Ce qui dégage le plus, qui fait briller, au travers lequel Satan brille, mais tout le monde... C'est ça. Oui. Alors, il y a... Vous avez enseigné sur l'amour. Oui. Moi, je suis entré dans la profondeur quand j'ai partagé un jour avec un frère. Je lui ai dit que c'est vrai, parce que moi, j'ai constaté. Quand je faisais dans la quincaillerie, j'avais un peu d'argent plus que tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire, quand j'arrivais, je me suis rendu compte que quand j'ai rendu visite à ma maman au village, le plat que la maman me servait dedans, hein, c'est un plat avec tous mes grands frères. Hein. C'est ça. Mes grands frères sont là. Elle sert la nourriture dans les simples plats, mais mon plat était toujours dans les plats cassards. C'est ça. J'ai un jour, elle est venue me servir, elle dit, maman, non, c'est moi dans le même plat que les grands frères. Ouais. Je suis allé un peu dans la cuisine lui parler. C'est ça. Elle me dit pourquoi, elle dit que non. Je dis que non, c'est pas bon. Tu sais, mes grands frères dans les plats simples, c'est moi aussi dans les plats simples. Pourquoi tu fais la différence entre eux et moi? Tu mets la différence entre eux et moi. Ça. Maman dit que non, ce que tu fais, tu es comme leur père. Je dis, maman, c'est pas parce que j'ai de l'argent. Voilà. C'est pas parce que je dépense pour la famille. Mais au-delà, c'est l'énergie qui est derrière. Hein? Oui, j'ai dit ça à maman. J'ai dit qu'avec ça, tu vas monter mes frères contre moi. Ils vont commencer à me détester. Alors que ce n'est pas ça que je veux. Ouais. Non, c'est moi. Elle a tout fait. J'ai dit que c'est moi dans le même plat. Eh bien, je ne mange pas. Ouais. C'est l'énergie qui est derrière. Elle est allée me servir. C'est l'énergie qui est derrière. C'est qu'en fait, quand tu vois bien le mécanisme, ce n'est pas l'amant elle-même. C'est-à-dire au-delà de l'amant, tu rentres dans l'univers de l'autre énergie, qui en réalité est en train de se vénérer elle-même. Mais c'est une manière de directionner le culte des autres. Donc derrière, il y a une énergie, donc c'est ça, c'est ce culte-là. Vous voyez? Donc derrière le comportement, on rentre toujours dans un univers. Vous savez que par exemple, ce dont nous parlons, des hommes même dans lesquels nous avons contestation d'autorité, le reste, derrière il y a l'impie. Mais c'est que lui, il te donne une fausse notion d'autorité. Lui, il reconnaît l'autorité comme le créateur, force suprême. Il reconnaît. Bon, mais comme on voit la manière dont il dressait les masses, par exemple, contre le Messie, mais lui-même reconnaissant que c'est le Messie. Oui, il reconnaissait que c'est le Messie. Bon, mais exploitant l'ignorance des autres pour les amener, pour les confronter à l'autorité suprême. Et donc, on a un poids, deux mesures. Et c'est ça, le changement. C'est quand je reste vraiment là à la profondeur que je vois que ce n'est pas ça l'amour. Non. C'est parce que je donne plus que tous les autres. Bien sûr. C'est le culte de Satan. Ça n'a rien à voir. C'est l'autre culte. J'ai donc compris que l'amour, c'est aimer sans rien attendre. C'est comme ça. C'est un autre culte. Sans rien attendre. Donc, tu vois le Messie? Regardons bien le Messie. Ah, vraiment. Le Messie. J'aime bien. Quand le Messie a affaire aux disciples, au-delà des disciples, pour lui, il a affaire à qui? À son père. Et il se soumet à l'autorité. Pourtant, il est l'autorité. Il a la fonction visible de l'autorité. Et il nous montre là les capacités que confère l'intelligence, se soumettre. Pourtant, il est l'autorité. Il dit, vous m'appelez maître. Je le suis. N'est-ce pas? Mais regardez comment le rapport que j'ai avec lui. Vous m'appelez maître, je le suis. Quand on dit maître, c'est-à-dire qu'il a une position ascendante sur la création. Il est la fonction visible de l'autorité de son père. Donc au-dessus de lui, il n'y a que son père. Mais les disciples dépositaires des caractères de son père, il se rend au service de son père. Mais de son père, c'est ça. On est dans un monde qui a perdu totalement cette vision de soi, totalement. Totalement. Voilà. Donc, nous sommes dans un monde où, je dis bien, on a des êtres instinctifs, c'est-à-dire qui font tout sans but. S'il y a un but derrière, ce n'est que le faux choix, quoi. C'est tout ça qui alourdit en fait, c'est-à-dire tout ce brouillard-là
parce que nous sommes dans un culte malsain qui s'appelle une activité malsaine. Bon, comment nous pouvons-nous pas être alourdis? Parce que nous sommes dans un faux culte. Papa, j'ai même aussi vu, vraiment, c'est quelque chose qui peut empêcher l'esprit de se donner. Ouais, ouais. Vous voyez, l'environnement où on se trouve, oui. La famille, oui. Les visites, tout oui. Ça, je oui. Vous assure. Ah, bien sûr. Ils sont des blocages. Bien sûr, il y a des énergies derrière. Il y a des moments, je reste comme ça, je dis, Seigneur, si vous pouvez m'envoler pour aller vivre quelque part très loin. Ah, bien sûr qu'il y a des énergies derrière, faiblesse. D'ailleurs, que vous le verrez, avec tous ceux qui sont allés loin, tous les esprits qui sont retournés au Père, tous les esprits, c'est-à-dire il fallait un qu'il s'isole de l'environnement visible, qu'il s'isole de l'environnement spirituel. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas cette perception claire de choses. Personne n'est plus grand que le Messie. C'est ça. Si le Messie a fonctionné comme ça, tu crois que tu peux fonctionner autrement. Exactement. Mais tu perds le temps. Comme nous disons là, ça veut dire que tu méprises l'autorité. Ouais. C'est impossible de fonctionner autrement. C'est impossible. En fait, à un moment donné, c'est lorsqu'il y a retour vers le Père, déprogrammation, que tu deviens la force agissante par laquelle le Père lui-même vient sortir ses énergies. La dépendance n'est plus pour le conduire. Autrement dit, c'est elle qui t'entraîne. Papa, quand je sens que je suis encore faible, je dois quitter les lieux qui sont... C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu sois vraiment sorti de l'influence de l'autre. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai connu des situations comme ça en 1989. J'étais allé en Suisse. Quand je suis parti de Suisse, les gens me disaient « Tu es fou. Tu es vraiment fou. » Mais je leur dis que nous n'avons pas la même vision du monde. Voilà. Donc, ça fait que nous ne pouvons pas avoir les mêmes objectifs. Parce que je sentais clairement que l'environnement dans lequel je me trouvais, les forces qui se déploient au niveau extérieur, j'étais très faible, au niveau intérieur. Bon, et que si j'y restais, j'avais un choix. Je mourais à l'intérieur par rapport à ce que je désirais et que je ne percevais pas avec clarté. J'étais contraint de sortir, d'être déconnecté de ça pour croire à ce que tout le monde croit. Tu vois, donc c'est ça. Il y avait donc un choix à faire, soit sortir de cet environnement, pour me laisser façonner par rapport à mon expérience que je ne percevais pas encore clairement. Et puis après un jour, peut-être j'irai pas. C'était ça. Je comprenais ça clairement comme ça. Donc, ça fait que je pense que ça a beaucoup aidé pour que le Père me permette de pouvoir m'épanouir. Autrement, ça aurait été impossible. C'est ça. Totalement impossible. Donc, comme on disait tout à l'heure, là où il y a une concentration humaine, il y a des énergies derrière. Il y a des énergies derrière. Parce que papa, je vois vraiment comment ma famille m'a persécuté. Ouais. Je vous assure. Jusqu'aujourd'hui, mes amis, les amis avec qui nous avons grandi, jusqu'aujourd'hui, c'est grave. C'est comme ça. Mais je fais tout pour fuir, ils viennent toujours. Ouais. Ouais. Donc, je sens que ça m'influence parfois. C'est pas eux-mêmes. Derrière, il y a toujours des forces qui tirent les ficelles. Mais, en fait, à long terme, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas destinés à élever un mur. Le problème, c'est que si à un moment donné on s'isole, c'est pour aller pousser les racines dans la force, afin qu'au travers de nous, le Père amène ceux qui sont amenables. Amen. C'est ça. Oui, c'est cela. Et puis, la dimension dont nous parlions là tout à l'heure par rapport à l'autorité. Puisque l'autorité suprême, le Père a hiérarchisé les choses. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez bien le Messie, on parle des attributs du Créateur, fait chair. Donc, c'est bien cette force à partir de laquelle il contrôle tout. C'est, tu vois bien, hein, cette force, distincte de lui, mais émanant de lui, dépendant de lui, émanant de lui, donc distincte de lui. Mais émanant de lui, c'est pas ce qu'on peut dire, le terme que tu dis. Bon, donc, puisque c'est par lui qu'il a tout appelé à l'existence, il régit tout par lui. Bon. Et ce qui fait que lorsque le Créateur plus lui nous permet de rentrer dans cette identité, son identité dans le Messie, donc il y a cette hiérarchie que nous discernons et à laquelle nous avons la force de nous soumettre. Bon. Et lorsque dans l'ensemble, cette communauté de personnes plus, elle rentre dans cette dimension-là, c'est-à-dire l'identité du Créateur dans le Messie, et on voit dans les uns les autres, c'est ça qui coordonne la soumission.
ça devient naturel, ça devient simple, naturel. Donc ce qui montre clairement, parce que le Créateur ne peut pas lui-même contester la hiérarchie qu'il a établie. Si c'est lui en nous, naturellement, on s'y soumet. C'est de cette manière-là, j'ai vu hier, pendant que nous allions à l'aéroport, pour ne pas comprendre, c'est de cette manière-là que, quelque part, même si derrière, on ne peut pas voir le même fond identitaire que celui du Créateur s'exprimer, mais on voit bien combien il y a cette pâle copie de la hiérarchie dans le monde. Quand vous venez dans un pays comme celui-ci, sur la base de quoi certains individus sont comptés comme des autorités. Et tout le peuple les reconnaît comme des autorités. Parce que ce sont des individus qui sont supposés avoir des liens très avancés, plus avancés que la masse, avec la sphère dont la masse elle-même est dépendante. Donc la masse, naturellement, reconnaît dans ces individus la nature de leur des forces dont ils sont dépendants. Tu vois, hier j'ai vu, quand ces gens-là passent, tout le monde s'égare. On dit, ce sont les autorités. Tout le monde reconnaît que ces gens-là... Oui. Tout le monde, net, je veux dire, même si derrière, il y a cette identité de l'impuissance, confusion, c'est-à-dire qu'il fait quand même, moi, tu vas aller le critiquer, aller faire ce... Mais dans le fond, les individus se reconnaissent, reconnaissent clairement. Et la preuve en est que quand il est là-devant, tu ne vas pas le critiquer. Tu ne peux pas. Oui. Tu attends qu'il parte pour manifester l'identité de l'impie, tu n'as pas voyé la malice et l'oreille, mais quand il est là, c'est plutôt le contraire. Donc tout le monde le reconnaît naturellement comme ça. Donc c'est une pâle copie de l'autre. Mais imaginez, lorsqu'il y a retour vers le Père, j'ai dit bien c'est naturel, c'est-à-dire l'identité du Créateur en vous reconnaît la hiérarchie que lui-même a établie. C'est là le peuple du Créateur. Et quand on est hors de ça, voyez bien comment le diable s'exprimait à travers les vies dans le désert. Et bien Moïse, que, ben, écoute, il est parti depuis très longtemps, il croit que c'est à lui seul que Dieu parle. Mais nous aussi, il peut nous parler, le Créateur. Donc organisons-nous, laissons-le là-bas. C'est ça, c'est l'esprit de la rébellion. C'est l'impie. C'est Satan. C'est-à-dire que c'est ce qui est dit qu'en fait, ces gens sans esprit, c'est-à-dire sans intelligence, ils contestent les gloires. Il ne s'agit pas simplement de Satan. Ils contestent les gloires, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas reconnaître les hiérarchies. Ils sont comme des animaux. Oui, comme tu le dis, au stade brut. Parce que j'ai souvent vu le fonctionnement des animaux, quand on voyait les chèvres se retrouver entre eux. Tu vois une petite chèvre qui vient de naître là, qui envoie ses cornes. Oui. Et qui envoie ses cornes au chef de groupe. Il sait pas comment comprendre. Il envoie ses cornes pour menacer de. Papa, c'est ça, papa. Je vois souvent beaucoup Nadio. Oui. Oui, les animaux. Et tu vois comment l'animal, un petit corps comme ça, pour vouloir défendre, pour vouloir chasser le chef même de... C'est comme ça. De, oui, et c'est ça le désordre, ça c'est plus du désordre. C'est comme ça que les humains... Oui, quand on est régi par la même énergie, c'est comme ça que les gens se comportent. On ne sait plus qui est. Non, on ne sait plus. Oui. C'est la même énergie. C'est un esprit de la manière. J'ai dit, c'est le vécu souvent. Mon père élevait les chèvres. Notamment, ce sont les chèvres qui se comportent comme ça, les boucs. Notamment, c'est eux. C'est-à-dire, tu vois une petite chèvre qui a peut-être 2 mois, qui va envoyer ses cornes au grand bouc. Oui. C'est de telle manière que si le grand bouc veut réagir, mais il va le piétiner. C'est pour dire que moi-même, je peux commander comme toi. Mais bien sûr. Mais c'est la rébellion. Voilà, c'est la rébellion, c'est la confusion. Dans la rébellion, il y a la confusion. Et chez eux, c'est le plus fort qui gagne. Oui. Dans le monde. Bien sûr. Ça, c'est le plus fort. Tu viens dans un lion qui, quelque part, il vient dans un groupe là. Un groupe de lions, il chasse le mal. Bien entendu. S'il est fort, c'est lui qui va s'approcher. C'est comme ça. C'est comme ça. Il gagne le territoire. C'est donc, parmi eux, vous voyez que même si, comme il dit là, le lion là, le plus fort, il est vraiment le petit d'un lion mâle
qu'il a mis en vous, mais qui devient à un moment donné plus fort. C'est-à-dire, il n'écoute que ses membres, quoi. Pour agir, il ne reconnaît même plus que ça, là. C'est mon père. Il n'écoute que ses membres. Chasse le chien. Donc c'est ça le désordre. Chasse le père. C'est quand vous voyez bien que c'est comme ça que le monde est. C'est comme ça. Mais quand nous sortons du règne de Satan, du règne animal, nous rentrons dans le règne du Père, on rentre. Il y a le respect de la hiérarchie, il y a l'intelligence dedans. Il y a de l'ordre. Ouais, je leur dis très souvent que, quand vous voyez en Afrique, c'est vrai, les gens, à l'époque, ils étaient régis par une conscience des ténèbres, mais au niveau embryonnaire. Mais en fait, la famille était tellement hiérarchisée que chacun reconnaissait sa place. Chacun. Chacun, c'est-à-dire que tu vois le parent, il a sa cuillère, que tout le monde reconnaît, avec son plat. Parce qu'en fait, c'était la marque de l'autorité. Dans la maison, parce que vous voyez bien, c'était la marque de l'autorité. Le papa, il avait sa chaise, même là où il a souvent l'habitude de s'asseoir quand vous mangez. Elle dit que quand un des enfants va prendre la cuillère de papa, tu entends l'autre dire, mais pour qui te prends-tu? Tu as pris la cuillère de papa. Pas pour manger avec. Tu as pris le plat. C'est pas que tu n'as pas connu les choses. Bien connu. Mais bien, c'est la marque de l'autorité. C'est-à-dire que les enfants ont grandi avec les limites dans la tête, c'est-à-dire les frontières entre le papa et lui. Mais dans un environnement où c'est totalement renversé, l'enfant, il se prend pour le papa. Mm-hmm. Dans sa tête, le papa est l'enfant. Tout est renversé. Ah oui? C'est le règne des désordres. C'est comme ça. Oui. Le Père, notre Père, il est éternellement Père. Tu ne peux pas grandir jusqu'à dépasser le « il faut que toi, tu renverses les choses, tu lui mets la tête, lui le pied. » Mais non, il est Père à jamais. Parce que c'est de lui que nous tirons l'existence. C'est Satan qui a cru qu'à un moment donné, il peut grandir plus que son créateur. C'est que pour que le Père, c'est que fait notre Père, je parle du créateur et de l'homme. C'est-à-dire, en réalité, pour nous faire rentrer dans la discipline, parce que le créateur, c'est l'ordre, c'est l'intelligence, c'est l'ordre. C'est pour ça que pour nous faire rentrer dans le fonctionnement naturel de cet ordre, ce qu'il nous donne, c'est son identité, c'est sa personnalité. C'est que la portion de lui qu'il vous confère, vous gardez tout dans la dépendance de lui. Donc il est impensable qu'il puisse monter dans ta tête d'être au-dessus. Donc ça fait que si nous fonctionnons dans un mécanisme de désordre, ça veut dire que ce n'est pas lui qui nous instruit. Ce n'est pas lui qui agit au travers de nous, c'est l'autre. Tu comprends bien? C'est un autre. Je vous dis, c'est ça qui est terrible. Donc, c'est pour ça que c'est comme c'est Satan qui a instruit les gens. Il a injecté dans les gens, j'ai dit bien, un venin de confusion. Parce que dans le fond, lui-même, il y a des lois qui le respectent et qui l'exploitent même à son profit. Mais il amène les mêmes personnes à contester ces lois. C'est-à-dire, il les dresse contre ces lois. Donc, vous comprenez, c'est un règne de chaos, quoi, un tohu-bohu, un règne de chaos. On est dans ces règnes-là. Je trouve qu'il n'y a plus aucune notion d'aîné. Voilà. Il n'y a plus. Plus aucune notion d'aîné. Parce que l'individu, dans sa tête, tout est renversé. C'est-à-dire, pour lui, il prend la place de l'aîné, il donne à l'aîné sa place. Ou l'aîné donne au cadet la place de l'aîné, lui prend la place du cadet. Donc tout est renversé totalement. Mais comment vous pensez que vous pouvez vivre de l'ordre dans un fonctionnement? Oui, papa, quand vous allez mal à l'hôpital, c'est grave. Oui, dans c'est les lieux, le c'est-à-dire vous arrivez à l'hôpital comme ça, il y a un rang, oui. Chacun assis, les jeunes sont assis par terre, sur les chaises, oui. Mais les papas sont debout. Voilà. Je vous assure. Mais tout ça, c'est nouveau. Hein. C'est un phénomène nouveau qui commence à gagner. Je ne sais pas comment. Je me souviens, Frère, je me souviens quand j'avais l'âge de 10-15 ans. Si un aîné arrive, tu restes assis sur la. On va te coller. J'ai mis le bras, il te donne une gifle. Je vous assure comme ça. Même nous, c'est comme ça. Oui. Donc moi, mais moi, le problème aujourd'hui, c'est que toute la Terre s'est occidentalisée. C'est ça le problème. Comme les gens disent que l'Occident, l'Empire est en déclin, mais toute la Terre est occidentale. C'est totalement. C'est grave. Même avec ça, papa, même avec quand j'étais assis, j'ai laissé ma place. Oui, ma place. Bien sûr. Non, c'est ça. D'autres ont vu. Voilà.
Derrière, c'est Satan. Derrière, c'est Satan. Ils ne se sont pas dérangés. Voilà. Donc, c'est qu'en fait, il y a une prétention qui habite, qui a été conférée, une identité de prétention, qui fait croire aux jeunes qu'ils sont plus intelligents que les autres. Tu vois, ça a tout renversé dans la tête. C'est ça le problème. Donc, c'est une identité qui s'exprime comme ça. Quand j'ai donné ma chaise à mon père, le père m'a dit que mon fils soit béni. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Comment éradiquer ça si on sort par exemple de la programmation? C'est naturel. Papa, je me dis qu'elle va. On est rebelle. Je ne sais pas. Je sais pas. Non, mais on est. Comme on expliquait là tout à l'heure, on le naît. On est parce que le rebelle, c'est Satan. Bon, donc, dans le fond, nous avons ce croisement entre l'homme et la femme, la conscience qui est dépendante de Satan, ce qui sort de là porte en lui les germes de la rébellion. C'est pour ça qu'on est facilement façonnable dans la rébellion. On se sent même mieux dedans. Tu vois, on se sent mieux, on se fallu même dedans. C'est-à-dire que s'il faut ramener quelqu'un dans les caractéristiques du Créateur, il trouve que c'est la faiblesse. Voilà, que c'est même l'ignorance. Donc c'est ça. Donc on a été programmé pour être comme ça. Ne pensez qu'au faux soi. Voilà. Mm-hmm. On est programmé pour fonctionner comme ça. Et ça fait que c'est très difficile, pas impossible, hein, parce que le Créateur vient de détruire cette programmation pour amener les gens à l'identité réelle. C'est un fonctionnement réel. Très, très difficile de détruire ça. Vous voyez? Donc ça fait que, à travers cette programmation, quand tu ramènes l'individu de cette programmation qui l'amène à manifester les qualités de Satan pour aller dans les qualités réelles du Créateur, il trouve que tu l'humilies, tu ne le respectes pas, tu ne sais pas. Ouais, c'est ça. Parce que lui, il a une autre perception de son identité. Voilà, c'est le fou. C'est ça. Autre opinion. Oui. C'est ça. Donc, et il faut beaucoup de patience quand on discerne ça aujourd'hui pour pouvoir participer à la réalisation des hommes. Dans l'identité réelle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit la qualité du Créateur venant d'en haut qui nous amène à le faire. Autrement. Ça veut la couper le temps. Oui. Autrement. Donc c'est ça. Et ça fait que ça nous a rendu difficilement enseignable. Tu comprends ce que je veux dire? Difficilement enseignable. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une relation de respect réel, de pureté, on est facilement enseignable. Donc ça veut dire que, par exemple, je pose une question, je n'ai pas la réponse. Et j'attends vraiment, je suis vraiment dans la démarche d'être instruit. Je ne sais pas tout voir. Bon, mais quand je viens te poser une question, j'ai ma réponse, j'ai du mal à accepter ce que tu as dit. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que je suis simplement là, je ne suis même pas dans la démarche d'être enseigné, mais je suis en train de comparer. Les opinions. Je suis à la comparaison des opinions. Là, c'est un débat. Oui. Voilà. Je suis dans la comparaison des opinions. Oui, c'est ça. Moi, c'est par exemple des enfants. Là, tu vois des grands enfants. C'est qui rend la relation facile? C'est que quand l'enfant vient, il est dans la disposition de recevoir. Mais s'il vient pour te donner, tu auras du mal à pouvoir. Parce que lui, dans sa tête, il croit vraiment avoir une vision très avancée que le fait de l'être. Donc ça le ferme à tout ce que tu vas lui dire. Donc c'est Satan qui a fait ça. Voilà, c'est vrai que quand tu dis ça, c'est plus facile parce qu'un enfant veut te poser la question parce qu'il n'a pas la réponse. Oui, donc c'est plus, il est plus facilement. Lui, son père, un aîné, un repère. Voilà, donc dans le fond, il est dans l'attente que tu lui donnes. Sûr, parce que la question, c'est-à-dire que dans la question que l'enfant pose, il a besoin de repère. Voilà. Il ne se considère pas comme un repère. C'est ça. Il veut que tu lui donnes un repère. Parce que s'il est un repère, il ne vient pas pour que tu lui donnes un repère. Il va plutôt te donner un repère. C'est ça. Tu vois bien? Donc c'est comme s'il venait vraiment, il vient dans sa tête et dit, je veux voir s'il a un bon repère. Parce que moi, je crois que j'aime mieux un bon repère que lui. Donc je vais lui donner mon repère. Mais je commence d'abord par voir ce qu'il a comme repère. À peu près, vous voyez, comme ça. Et quand quelqu'un reconnaît son besoin,
ne n'apporte rien, il écoute et il ne va pas comparer, il ne va pas avoir de divergence d'opinion, il va écouter, il va voir ce que ça va lui apporter, il va voir ce que ça fait dans sa compréhension. Oui, mais donc là, nous disons là, il faut vraiment être dans la sphère du Créateur pour avoir ce niveau de discernement. Vraiment pour le comparer. Parce que vous voyez, quand le pharisien allait vers le Messie, il se considérait vraiment comme étant de déposer la lumière pour instruire le. Donc, le regard que Satan leur donne ne leur permet pas de comprendre qu'ils ont affaire à l'intelligence même faite chair. Exactement. Vous voyez, donc, ils se comptaient comme l'intelligence faite chair et que c'est à eux, c'est eux qui sont, qui sont dans la position de transmettre l'intelligence au Messie. Donc, ça les fermait à l'intelligence. Exactement. Mais c'est ça. Et ça ne vient pas de nous. Hein. Ouais. Je dis bien, ça vient, c'est Satan qui a fait ça pour nous coincer, pour nous bloquer. Oui, c'est quand je utilise ça. Donc, c'est Satan qui a fait ça pour nous bloquer, pour nous coincer. Son état, voilà. Puisque c'est sa pensée en toi, du coup, il te fait avoir cette réaction-là pour continuer à contester ce qui, normalement, n'est pas contestable. Voilà, comme c'est lui en toi et que. Tu n'as pas encore la compréhension qu'elle est là, que tu n'as pas encore ce qu'il faut, eh ben lui, il sait ça, et il appuie dessus pour t'amener à protester davantage. Il ne veut pas que tu aies des bons repères. C'est ça, en fait. Il ne veut pas que... Il ne veut pas que... Il veut que tu demeures en l'air pour repère. Voilà. Il veut demeurer comme ton repère. Il ne veut pas que tu sortes du faux repère pour l'entrer dans l'air. On va te mettre dans cette position défensive. Exactement. Ben, il voit la fin de son règne, hein, parce que quand tu commences à comprendre, il voit bien que s'il ne te garde pas sous son joug, prisonnier de lui, et ben, tu sors et tu n'es plus sous sa domination. Oui. Et c'est pour ça qu'il insiste pour que tu gardes ses repères. C'est ça. C'est lui en toi et il te fait croire que c'est toi qui parles, alors que c'est lui en toi qui le faut nous. Quoi. Mais ça, c'est le résultat de l'éducation dont nous avons été l'objet. Bien sûr. Du dressement, je veux dire de la programmation. Ça ne vient pas, ça ne tombe pas comme ça du ciel. On a été construit comme ça. Voilà. J'ai posé une fois une question à un enfant, je lui ai dit que, un petit enfant, hein, tu as qui pour repère, dis-moi, il dit lui-même. Je lui ai dit, hein. Comme ici, comme ici. Non, etc. Il me dit que lui-même. Mais en fait, ça ne tombe pas. Ça, c'est une construction. Ça part de la construction familiale et puis tactique le reste. Hein. Faut pas croire que ça vient de ailleurs comme ça. Non. Donc, imagine un tel enfant comme ça. Tu le rencontres, tu lui dis. Bon, par exemple, tu veux prendre un terme comme amour. Tu dis l'amour, c'est ça. Il dit oui, mais bon, ça veut quand même dire aussi que. C'est pas, tu comprends? Oui, vers raisonner. Oui, vers le raisonnement derrière. C'est ça. Il y a toujours des oui, mais. Ouais, exactement. Il y a toujours. Donc, c'est ça la programmation. C'est-à-dire, on a été programmé comme ça par l'ennemi. C'est-à-dire, pour ne pas reconnaître les gloires. Pour ne pas reconnaître la gloire, la hiérarchie. Parce que l'intelligence reconnaît la hiérarchie. Et la capacité de l'intelligence, donc qualité du Père qu'il donne, de reconnaître la hiérarchie nous rend enseignables à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous sommes enseignants tout le temps. Exactement. Voilà. On a du plaisir à être instruits pour finalement participer à instruire. Tu veux cette guérison-là. Tu désires ça. Oui. Donc, c'est ça. Cette déprogrammation là. C'est ça que le Père est en train de construire dans son peuple. Parce que c'est ça une espèce nouvelle, une race nouvelle, une civilisation nouvelle. Parce que nous avons une civilisation qui est rebelle. Donc il faut sortir de ça pour entrer dans la civilisation qui respecte l'ordre et la hiérarchie. C'est pour ça qu'on parle à la nouvelle création, et une création qui est parfaite. C'est-à-dire que dans cette nouvelle création dont le Messie est la tête, il n'y aura pas de rébellion. Non. Impossible, parce que c'est une création parfaite. Voilà. C'est Satan qui s'appuie. C'est ça.
Jésus à moi.